Et salut tout le monde. Alors on se retrouve par rapport à l'épisode précédent, un peu plus loin. J'ai perdu un petit peu, pas beaucoup. Je fais principalement un TF. Alors on l'a essayé à deux Aethertech, Rotan ça passait, mais Chromed, oula ça me passe. Chromed par contre, nous a un peu défoncé la tronche. Donc on l'a refait derrière avec un mentor histoire de montrer un peu l'instance, mais l'instance a été quand même pas mal simplifiée. Donc voilà, c'est pas forcément des plus intéressants. Donc je vais vous mettre une vidéo et puis pense commenter en accéléré, comme ça au moins ça vous montrera un petit aperçu de l'instance. À tout à l'heure. Donc finalement, contrairement à ce que je viens de dire, ça va être une vidéo en groupe, du full PU. Donc on le fait à 4, un rôdeur, un spirit, un clerc et moi. Et donc pour ceux qui connaissent, déjà vous voyez que déjà à l'entrée il manque au moins un mob là, il manque au moins une patrouille juste un poil plus loin, il manque un autre mob un petit peu plus loin, donc il manque plein de mobs. Certains mobs ne sont plus élites, pas tous, certains ne sont restés. Là il manque des mobs encore, certains packs ont été réduits à un seul, comme là où il y avait deux mobs élites, maintenant il n'y en a plus qu'un non-élite. Donc voilà, enfin, l'instance a été très 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 simplifiée. Alors Rotan maintenant n'a plus ne reste ne fait plus les différentes patrouilles qu'il faisait avant. Maintenant il est là dans la descente, il monte, il descend tout simplement. La descente ou dans la montée, ça dépend dans quel sens on le prend. J'ai trouvé qu'il avait quand même pas mal de PV. Alors là, étrangement personne ne le loot. Je sais pas pourquoi, je me sens pas que c'était à moi de monter, mais bon. On le lootera plus tard au retour. Ah, les gargouilles, toujours les mêmes. Elle commence direct avec un gros debuff de vitesse attaque et puis un boubou de temps en temps. Puis voilà, elle me rallie sur bien. Donc, pareil, il manque des mobs pas droit à gauche. Après, bon, l'instance n'a pas réellement changé, juste qu'ils ont enlevé pas mal de mobs. Les nommés sont toujours là, sont toujours les mêmes. Enfin là quand ils sont pop quoi. C'est-à-dire pas forcément souvent. Mais au retour on les scoutera tous. Donc voir un peu les emplacements des uns et des autres. Là bon, Clean Keratin qui est juste devant Chromed, histoire de se faire un petit peu de place safe. Alors j'avais fait d'autres groupes, donc il n'est pas forcément. Bon après j'ai fait avec d'autres groupes où on prenait la Kayatide, où on prenait les deux gargouilles sans le vouloir sur le côté et du coup c'est un peu la galère. Non, enfin bref. Donc du coup Chromed n'est plus qu'une élite. Alors là j'essaie d'éviter son stun, mais je crois que je fais un peu n'importe quoi, c'est pas bien grave. Après foncièrement elle a pas forcément réellement changé, peut-être moins de coups, elle les achète moins souvent peut-être. Peut-être moins de pièges aussi, après grosso modo la même chose. Et à la fin elle fait ça, lutte dérisoire je crois, je sais plus comment ça s'appelle cette compétence, qui fait très mal. Donc voilà, rien d'extraordinaire, je me souviens plus qu'on loot, des bijoux je crois, mais vraiment rien d'extraordinaire, bijoux et un chapeau bleu je crois. Un truc du genre, on va voir au loot, même si ça met un peu de temps à venir. Donc un collier que j'avais déjà. Alors au final, à force de faire des rushs, j'ai eu le collier, j'ai eu les deux anneaux de Rotan. J'ai pas eu d'armes sur Chromed, j'ai eu l'arme gold sur Gatineri, voilà. Et donc voilà. Donc là, je propose au groupe d'aller scouter un peu les nommés. Enfin les nommés, les boss, les sous-boss, vous appelez comme vous voulez. Donc le premier. Bon, ouais, le spirit car. Ah oui, ils en avaient un spirit, Spirocu. Donc voilà, le premier c'était Kutizen, mais la gargouille, mais bon, pas pop. Qui est au fond là-bas. Normalement, quand il est pop. Si plus sur la droite, là, il est pas pop. Donc on va aller voir un peu plus loin si c'est un autre. Donc on clean, mais bon voilà, il y a un mob de temps en temps par-ci par-là, on peut bien souvent comme là les esquiver. Donc sur la droite en haut, vite fait, furtivement, hop, Flavie qui est pas là, donc on continue.
Bon là c'est une bombe non élite hein. Et donc scout ici c'est Asparn qui n'est pas là. Donc demi-tour, ça sert à rien d'aller plus loin. Et bien sûr notre spirit préféré qui va nous faire le recul. Voilà. Et pas qu'on peut. Mais bon les mobs reset visiblement plus facilement qu'avant. Puisque hop, là ils ont reset. Qu'avant ça n'arrivait jamais. Ils vous pourchassaient même jusqu'à entre l'instant s'il fallait. Ensuite, bon là, ben là on outre temps, puisque visiblement ça n'avait pas été fait la première fois. Donc un anneau et puis une côte de maille verte, de la flamme. Pas extra extra, mais bon, en même temps il a jamais rien looté d'extra. Donc là on clean ses deux mobs pour aller scouter mon gars et Gatineri. Donc deux mobs non élite. Il n'y a plus vraiment de difficulté dans cet instant. Bon, Chromel après peut faire un peu mal, mais bon après. Et notre spirit qui va aller nous chercher deux autres mobs. Des devenir des Dipex, je sais pas. Bon après, ça reste très facilement gérable. Il nous a pas fait de fear. Étrangement. Donc Mol'Gath, normalement qui est au fond là-bas, qui est pas pop. Oui, il nous a pas fait de fear, dans les mobs ou un truc du genre. En vrai, le fear, je sais même plus à quel level on l'a. Donc normalement ici il y a Katniri là, mais bon, pas ici, on a vraiment pas eu de bol sur ce run là, aucun nommé. Et pas des loot extraordinaires, mais bon voilà, ça passait tranquillou. Donc là on sort de l'instance, on aurait très bien pu dégrouper pour regrouper plus tard pour refaire l'instance au pire, mais non, on est ressorti par la grande porte on va dire. Et notre spirit qui a fait le recul. Voilà. Il nous l'a fait jusqu'au bout, bien comme il faut. Mais bon, ça reset quand même beaucoup plus facilement qu'avant, donc il y a moyen que les mobs vous lâchent relativement vite. Donc on ressort l'instance. Et puis après, voilà, on n'a pas recontinué, j'en ai fait déjà plusieurs avec eux. On a dû en faire, je sais plus, 5 ou 6 runs, voire plus, si ça se trouve. Donc voilà. Donc, c'était le NTF. Où je loot quelques trucs, mais c'est bon comme ça pour le L35, c'est du vert et des bleus, mais bon, j'ai pas eu d'armes, tant pis, une prochaine fois peut-être. Alors, petit rectificatif que je voulais faire à ce que j'avais dit une fois dans une de mes vidéos, comme quoi les tissons de pouvoir servaient à rien sur les ETRT. Non, c'est une connerie en fait, je me suis trompé. Donc j'ai retesté quand même parce que ça me tracassait un peu. Et donc en fait, sur les couples. Non, je m'ai trompé de touche. Ah. En fait, ça va consommer des tessons de pouvoir sur les couples. Hop. Oui. Donc là, bon, je tape le mannequin. Là, je fais des dégâts. En gros, 240 de dégâts. Ouais, dans les 240 de dégâts. Si j'active les tessons, ben, déjà, ça va les consommer. Et puis bien sûr, je monte à presque 290 dégâts. Ce qui est logique, c'est que l'objectif des tessons. Donc voilà, donc ça sert bien, c'est bien utile. Moi je pense qu'un intertech, une bonne vitesse d'attaque et tout, ça peut faire du très bon weaving même. Donc à ne pas négliger. C'est juste un petit rectificatif. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va aller, donc j'ai une mission en Aéron. Mais bon, si je la fais, ça va aller relativement vite. En même temps, je me fais pas mal balader. Combien d'XP? 2 millions. Ah, quand même, on pose ce genre. Je suis presque parti pour aller faire les quêtes des abysses, mais je vois que. Au final, rien que cette mission-là me donne limite plus XP que tout le reste. Bon, on va aller faire ça alors. Donc, il faut parler à Peranto. Donc, c'est le boss de la zone. De Héron. Et puis on va le faire. On va faire ça. Et puis on verra où on arrive une fois qu'on est. Alors, allez à l'observatoire. Hop, c'est parti. Fly. Ion's greatest gift to the weary traveler. Direct à l'observatoire. Hope to see you again sometime. Alors petit truc c'est que le level 30 on reçoit un courrier, je vais même pas aller le voir parce que je vais dire ce que c'est. C'est un courrier automatique qui demande d'aller voir l'ajusteur d'ailes à Fangtum. Si vous voulez vous ruiner dans des ailes, allez-y mais franchement
Je trouve que ça représente un peu. Enfin, après, bon, je dis ça, mais c'est vrai que par exemple, au sein européen, j'ai des récompenses vétérans, donc j'ai plein d'ailes en stock. Niveau 60, j'ai les ailes de Tiamat, donc forcément, c'est sûr que c'est plus facile à dire que quelqu'un qui n'a pas d'ailes. Le L40 aussi, j'en ai, donc bon, après. Après, il y a celle des missions. Alors, ça aussi, c'est pareil, je sais pas les missions en Réchanta. Les dernières, c'est parce qu'on avait les ailes de Yuditio, je sais plus quel level, on a pas les dernières de Théobomas, donc je sais pas, il y a peut-être des récompenses qui ont été changées. Donc à voir. À l'occasion. C'est là qu'il faut aller, ouais. Partir. Hein. Good to see you, Dave. Par contre, je crois qu'on va être en pleine heure. The decayed grove was once a beautiful, verdant forest. But over time, it changed into the blighted place you see now. Oui, donc je disais. Je pense qu'on va être en pleine heure où les asmons et les failles qui pop à vers Héran. Bon, il y aura moyen qu'on se fasse embêter par de l'asmo. On verra. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé sur Héran, j'ai eu directement la quête de guerre là sur Héran qui m'a pop direct. Donc en général, ça veut dire que c'est l'heure des failles. Donc on verra. Puis de toute façon, bah, tant pis. C'est vraiment ça m'a beaucoup embêté. Mais on aura sur le fast track. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il m'a demandé lui d'ailleurs? Tuer des bombes normalement, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors, il faut récupérer deux fois trois items sur des bombes. Alors. Et les pourrés ça, il y en a juste un peu plus loin. On va aller voir ça tout à l'heure. Son jeu derrière. Bon, la photo de chaque. Après, on va revenir à l'observatoire. Ah, bon. C'est fait. Retourner à l'observatoire. Oups.
Alors, il me semble pas que sur un minimap avant, on voyait par exemple comme là les zones safe. C'est plutôt mieux. C'est plutôt un bon point. Et après, une fois l'observatoire, on va me demander d'aller à Arbolu. Donc, hop, ici. Mais pour rendre la mission. Alors, normalement, ça devrait me débloquer une mission avec Nen. Mais elle a l'air assez tendue quand même. On verra bien. Sinon, on est à niveau 30. La prochaine instance, ce sera Azoturan, si je ne me trompe pas. Info instance. Donc, on va passer par le level. Ah, ouais. Les instances sont tous, je vais compter pour ma part. Instances pour tout. La lumière circuit, c'est un event. Et après, c'est la boîte héros. Ouais. Ok. Area Luma, Deva. Allez. May your faith be strong, merci but your weapon stronger. Merci, je ne comprends pas, c'est revolu. Ouais, c'est ça. Ben go, hein, on va y aller à papate. On va voir un peu de visite, visiter le pays. Oh, c'est tout droit. Hein. Plus ou moins. Je renouvelle les compétences, ça sera pas mal. Instinct, je suis à jour. En nombre et en qualité. Enfin, un level de Simon. Alors, normalement, oups, on va essayer d'éviter cela. C'est quel level ici? 36 quand même. Alors là au début, enfin j'en suis théoriquement, si je ne me suis pas trop trompé dans mes calculs, à l'épisode 8. Sachant que pour le moment j'ai diffusé que les trois premiers. Le truc c'est que plus ça va aller, là les épisodes sont relativement rapprochés, j'essaie de pas trop non plus les foutre d'en mettre un par jour parce que déjà qu'ils sont relativement longs. Je voulais pas non plus trop spammer quoi, mais plus ça va aller, plus les épisodes seront espacés parce que bon, forcément, en plus je vais monter dans les niveaux, plus ça va être lent à monter quoi. Donc, vu qu'en plus il y a de moins en moins d'émissions, ça me fait, je trouve pas intéressant de vous montrer forcément toutes les quêtes de bâche, principalement les missions, puis après des quêtes qui peuvent être intéressantes. Mais après voilà quoi, je veux dire c'est pas. Pour moi c'est pas intéressant de voir quelqu'un qui forme des quêtes. En plus il faudra quelque chose à dire quoi. Ce qui est pas toujours évident. Y'a pas là ce moment, tiens. Je vais tourner. Ok, donc. Je crois qu'il est là-bas. Ah, c'est ça. Merci. Le rang pas compliqué. Donc Trajanus, qui est juste à côté. Hop.
oui. Greetings, Deva. Ta-da. Ok, donc on a une nouvelle mission. Oups. Non, c'est ça, je l'ai couché, c'est bien ce que c'est. J'ai fait comme il fallait, y'a pas de soucis. Donc Aetnen. Donc c'est l'avant-dernière mission d'Aetnen. Celle-là, il faut le niveau 35 pour la débloquer. Ils ont quand même réduit le nombre de missions. Les requis, j'ai l'impression qu'ils étaient un petit peu up aussi pour certaines. Avant en même temps. Voilà. Donc je veux dire, ça oblige Apex autrement que par l'émission, parce que c'était un petit peu le cas. Du coup, on va aller voir. Je pense pas avoir débloqué une mission à Aeron. Voilà, Aeron, je suis bloqué. Il faut que je vais au niveau 34. C'est quoi cette mission? Ok. Je sens qu'ils ont enlevé plein de missions à Aeron aussi. Les dernières notamment, une gratuite et légion et brigadier, je veux dire. Pourtant j'ai vu des annonces de recrutement pour brigadier. Ça, je suis un peu surpris. Bon, on verra bien. On verra quand il sera, c'est pas la question d'aujourd'hui. On va à l'observatoire. Alors apparemment, le mob de fin est assez tendu. On va le voir quand même. Je pense pas avoir de pare-chocs pour être Nancy. Oh bah si c'est pas attendu. Je vais déjà ouvrir ça. Oh bien. Un petit hop. C'est quoi ça, une plein enchant. Du bruit et un chapeau. Ok, donc go être. Ah, puis level 31, je peux acheter du stuff de pièces d'argent. Donc c'est ça. Oups. Du coup, ah, bon, on pourrait aller voir ça. Alors, déjà, du coup, on va passer par un guéron. Pour jeter un coup d'œil à ce stuff. Ça me semble que c'est un guéron qu'on achète. Ouais. C'est un peu comme un loot, mais il me semble que c'est ça. Safe travels. En plus, je suis jamais allé. Ah, mais il y a des failles aussi pour aller chez Asmo. Mm-hmm. Par contre, ici, vous voyez, les failles, il n'y a pas de restriction de level. Enfin, si, il y a une restriction de level minimum. Mais c'est tout. Après, c'est de level 20 au 65. En gros, n'importe qui peut aller dans les maps de l'autre faction. Et puis j'ai l'impression que les failles tournent beaucoup plus souvent, même pas chez nous. Parce que chez nous, je crois à ma connaissance, les failles bas level, je m'y intéresse pas trop. Parce que je connais perso aussi une plus, moi. Mais ça, c'est que le week-end, hein, si je dis pas de bêtises. Mais là, je ne suis pas forcément un expert là-dedans. C'est bien ça. Ah, mais d'ailleurs, j'ai du stuff normalement, level 31. On pète. Hop. Hop. Et j'ai ça aussi. On va tous mettre à neuf. Alors je sais pas si c'est ici. Nice to meet you. Si c'est ça. Nickel. Armure. Alors est-ce que sinon. Ouais, parce qu'il y a du gold cap. Est-ce qu'ils ont foutu de la maille magique gold? J'ai pas l'impression. Ni même d'ailleurs du bleu. Non, ils auraient mis... Alors ça c'est du level 36 par contre. C'est pareil, c'est avec des pièces d'argent. Ou alors est-ce que je garde mes pièces d'argent? Par exemple, si je veux faire le stock gold. Là, mais j'aurais jamais assez de pièces d'argent par contre. J'en ai que 54. j'ai équipé ça? Pas encore. On va voir. May Ion protect you. Donc il va manquer quoi, moi? Normalement. Rincette. Donc qu'est-ce que j'ai fait, mon connerie? Attrompe. I am but a faithful servant. Toc. Non, le stuff, j'ai dit. En récompense, on a quoi là? Ok. Donc ce serait ce stuff là.
Alors, mais ouais, je suis déçu, ils ont pas fait aimer du stuff de mine magique. Parce que du coup, je me retrouve avec du stuff avec réduction d'aggro. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Bon, sachant que là, j'ai les bottes, c'est quoi ça? Les gants. Après, j'aurais pile poil pour me faire le reste, mais. Ah, j'hésite. Parce que vous voyez, le niveau 7, là, il y avait quand même augmentation d'aggro. Et en fait, il est vraiment faible pour les Aethertech. Que là, il y a. Oh là là, regarde. Ah, mais attendez. Est-ce qu'ils m'ont permis d'aller tout le combat? Non, parce que c'est ça qu'il y avait l'arme. Ah, si, peut-être bien, alors. C'est moi qui dis de la merde. Ah, autant pour moi. Ça me rassure un petit peu quand même. Mais du coup, mais c'est ça qui est bizarre. Ah non, non, mais c'est bon, les bottes élégants. Mais... Après, j'apprenne à lire aussi des fois. Oh non, c'est bon. Du coup, il manque ça. J'en ai assez. Ou alors, mais je... non, mais le gold il me coûtera beaucoup trop cher. Pour 23 la jouer, mais 234. J'ai peur que ça me ruine un petit peu. Et on va voir le skill de l'arme. Bon, c'est le prochain. Les classiques, mais... Bon, mais on va attendre. Oui. Et puis, on va aller à l'observatoire, donc. Alors, le mieux pour aller à l'observatoire depuis ici... On va essayer un truc. C'est pas le plus safe, mais c'est le plus court. On va essayer de passer par le QG Kaidan. Je verrai bien. Au pire, on... Ah, je sais même pas. Oh, c'est pas grave. Je pense que je sais plus si ça peut un fly pour. Je suis pas sûr. Non, non, de Hero Ramodor. Je sais plus, mais je me sens pas. Je me sens pas. C'est tout le QG, un tout. Ça se trouve essayer de pas tomber quoi. Alors, je pense de faire un peu le ménage à l'immeuble. Pardon monsieur, je ne fais que passer. Alors, on va essayer de faire ça. Discretos. Vous avez déjà enlevé des mobs avant cette image. On va monter un peu sa vie quand même avant. Avant j'ai le temps. S'il faut que je traverse deux, je atterris sur la plateforme là-bas. Sachant que je fasse à une distance quand même, il va plus m'embêter.
Et les deux d'ailleurs, c'est distance. Ouais, juste qu'ils nous snerpent pas. Surtout. S'il faut sauter. C'est pas moi, pas lui. Stop taper ça, ça fait mal. Hop, hop, hop. Ok. Alors lui, est-ce qu'il va m'embêter aussi? La cratère, là? Non, pas l'air. Alors, normalement, le souci de la mission sur laquelle je suis, c'est lui là. Non, pas lui, il est où? Est-ce qu'il est là? C'est lui là. Apparemment, il fait quand même bien mal. Le 39. Là, j'aurais cru Elite quand même. Je rentre, je vais m'embêter là. Si je peux. Très vite, très vite. Oh fuck! C'est pas moi, c'est pas moi. Ouch. Un gros. Oh, on est arrivé. Faut tout reset normalement. Ça c'est pas déjà fait. Ok. Je prends mes petites popos au fur et à mesure. Ça me débarrasse. Alors, toi. Ah, on n'est pas encore, mais le 40, je vois les lieux. A band of fierce Caden Crawl have been seen scouting the area near the Etheric Field Observatory. Ok. Donc il faut tuer un mob. Donc j'imagine. Merde, c'était sur le boucher. Kiko. Donc ouais, c'est les mobs qui sont devant là-bas, ceux que j'ai essayé d'esquiver tout à l'heure. Mais ça me le fait bien souvent, ça, je trouve. Alors que je... Mais arrêtez, bordel! C'est là que je pense qu'il me prend ça. Alors, ceux-là ne vont pas compter. Parce que là, c'est ceux de la garnison. Enfin, je ne suis pas plein. Par contre, ceux-là vont compter. Il faut que j'aille lui, là. Le problème, c'est qu'il est vraiment pas pressé, le monsieur. Alors ça, je peux parler, passer dedans la garnison. Il va me voir, lui. Ok. Je vais essayer de bouger le drapeau. Allez, viens là. J'ai cru que c'était le kill au départ qui devait compter, mais ça va, c'est un item. Bon, jusque là, tout va bien.
faith in arms, Deva. Ah, on va voir ça. Attends, me re-téléporter lui. Hello, human. Oui, mais c'est ça. Là, il me téléporte. Ok, directement là. Bon, avant, il y avait tout un. C'était bien plus long que ça. Et puis surtout, on faisait les trucs à pied. First, you must dispose of the elite leaders at Kaidan headquarters. Kalabar must also finally be defeated once and for all. The Valar must no longer continue their evil schemes. We must bring an end to this. We must. Alors, you must get rid of the elite leaders and Chaos Lord Kalabar guarding Kaidan headquarters. D'accord, donc ça a changé ça. Ok. Donc avant, il fallait récupérer l'ordre de Kalipa. Ok. Donc c'est même plus Kalipa en fait qu'il faut de... qu'il faut aller péter. Et alors... Ah, il fallait... Je vais essayer de rapatrier du monde. Je fais une petite ellipse. Et donc, on est en fort. On va aller voir ce que ça donne. Et puis... Oh, ça devrait aller, je pense. Même si le L39. Oh, mais zut! Décidément, hein! Alors, où qu'il est? S'il est là-bas. Je vais pas le sélectionner. Ok. Il y a pas, il y en a un pour le porteur. Ok. Pas compté pour moi. Non plus. C'est peut-être pas le même en fait. Comment il s'appelle celui-là? C'est bien Kalabar? Ah, c'est le chaman Kalabar. Mais ils ont changé tous les noms. Avant, il y avait, on pouvait le faire lui aussi, hein, pour, mais alors, le truc c'est qu'on le faisait à la fin, on le faisait pas au début. Enfin, on n'avait pas l'opportunité de le faire au début. Bon, on va aller voir ce qu'il y a. Je sais pas s'il va être au fond. Ouais. Alors, ce sera peut-être pire encore que celui-là. Ok. Okay.
Alors là, ça va directement en bas. C'est pas plus loin qu'avant, ça. Ok. On va se poser là. Alors, donc c'est lui qu'il faut. Alors c'était Kalupa. Alors peut-être c'est que sur serveur européen, il s'appelle Kalupa et Calabar sur serveur US, c'est peut-être ça. Alors ça n'a pas la même histoire. Je sais qu'il faisait des zaps par contre. Oh là, il a l'air d'avoir pas ce pédé quand même. Alors, s'il fait pas d'ad, ça peut passer. Merde, j'ai. J'ai parlé trop vite. On va faire défoncer la tranche. Ok, on va mourir. Bon, ils sont vraiment. Attends, le gros il est combien? Je peux pas voir son level 39. Ouais, mais forcément, ça pique. Allez. Bah on verra ça plus tard. On aurait pu tester les mobs, mais on fera tout à la fois. Donc c'est pas bien grave. Ah bah oui, on parle de compétences, tiens, je vais faire la même. Moi je crois pas avoir acheté mes compétences niveau 31. J'ai zappé ça, non il me semble. Ouais. Bon, ça aurait rien changé à l'issue du combat, hein. Mais quand même. Donc, cette mission-là, ben, on va attendre de Pex pour la finir. Sinon, niveau mission, on va avoir celui des abysses. Parce que sinon, après, il faut Pex pour toutes les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Oups. Ouais. What? Alors, c'est bizarre ça. Je vérifierai après. Ok. Parce que ça me perturbe ça. Ou alors c'est que j'ai vraiment pas fait gaffe depuis le début. Donc on a quoi? Ça qui est une nouvelle compétence. Où est-ce qu'elle est? Donc pendant 3 minutes, 4% de chance de récupérer de la mana à chaque attaque. Et c'est en cas de 10 secondes. Oh ben c'est un buff à spammer ça quoi. En cas de 10 secondes, pendant 3 minutes. Non c'est bien. Alors je sais pas si ça redonne beaucoup de mana. Mais bon. Ok. Donc ça c'est un ED j'imagine. DP2. Donc redonne 50% de la mana. En utilisant une demi de dés.
Ok, donc ça, à voir. En grosse galère de mana, bon, pour le moment c'est vraiment pas le cas. On va le mettre là. Non, vu que c'est ND, on va le mettre plutôt là. Je sais pas où, là. On verra plus tard. Manifest World Arts, qui m'interpelle cette compétence. Parce qu'il y a marqué qu'on peut utiliser son équipé de pistolet ou d'alterc. Ah oui, ou le canon, ouais. Bon, c'est ça, c'est bien, ça me semblait. Mais non, c'est moi qui bug. Mais alors, j'étais persuadé que ça s'arrêtait au niveau 2 pour les gunners. Non, d'accord. Ok. Alors, est-ce que justement. On va contrôler ça. Hop. On va trier par nom. Ok, là, je suis au niveau 5 quand même, ce truc. D'accord. C'est vrai que pour Gunner, c'était limite qu'il y en avait qu'un. Mais bon, déjà que. Bon, enfin, bref. Electric Shock 2, donc ça, c'est la para, si je ne me trompe pas. Electric Shock 2, nanana. Donc, ils n'ont pas augmenté, ils ont augmenté juste les dégâts que ça faisait, je pense. Ouais. Ce qui est logique. Et Back Shock 1, ça, je sais pas tout ce que c'est. What? Ah. Ah voilà. J'ai utilisé Back Shock 1, mais ça m'a appris la compétence Enduring Blade 1. Ça fait quoi? Inflige 270 dégâts de vent à une cible dans un 6 mètres et réduit leur pression magique et leur attaque physique pendant 10 secondes. Enchaînement, alors c'est d'accord, c'est un enchaînement. Avec celui-ci, si je me trompe pas, c'est ça. Donc c'est un enchaînement de celui-là. Donc c'est bien. Un petit debuff sur la cible, un petit peu de dégâts de vent. Alors que de base, c'est des dégâts de terre, d'accord. Ouki, 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 ouki. Donc ça, c'est pas mal. Ok, donc. Est-ce que niveau stigma, on a des up? On va retirer par niveau, pour être sûr. Hop, on va faire dans l'ordre. 31, 31, 31. Ah oui, j'ai un stigma. Ah, je suis là, tiens. Mais prendre, c'est ça, je trouve un peu dommage à une autre classe, c'est que c'est vachement rapproché les. Vous voyez, j'ai le niveau. Ah, il faut le niveau 25. Ouais. 25, 31, ça fait 6 levels. D'accord. Ouais, alors est-ce que j'attends un peu? Il y a un up de celui-là aussi. Je trouve que les ups sont assez rapprochés, les ups de stigma. Sinon, une nouvelle compétence. Ok. C'est un bouquin ça. Ouais. Il y a deux nouvelles compétences qui ont l'air plutôt sympas. Une compétence d'enchaînement et un autre début d'enchaînement. Qui redonne de la mana toutes les 30 secondes, pour 1000 de mana toutes les 30 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Alors j'imagine qu'en l'OS ça doit consommer masse mana, c'est vrai qu'on consomme pas mal de mana, mais bon en général ça c'est pas trop gênant pour le moment. Donc à voir, recharge, ça fait quoi? Redonne 4000 de mana, donc ça c'est par contre un stigma, seul stigma tout court. Ouais. Ok, bon, ben sur ce, alors on aura fait quoi? Une mission à Aeron, commencé une à Elknen mais pas fini, donc mais ça il faudra bien pex. Donc ben, la prochaine fois je pense qu'on ira faire les missions aux abysses, que je n'ai pas, toujours pas fait. Même si ça n'a pas donné masse XP, donc après il faudra faire pas mal de pex pour avancer, donc on verra, en espérant que... Que ce soit pas trop relou. Donc voilà, et ben comme d'hab, quand même. Sur ce, à plus.